Le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public a informé les responsables des sociétés des jeux du hasard et d'argent de la volonté du gouvernement à réglementer leur secteur. Nous voulons en réalité mettre juste de l'ordre et vous permettre d'être des sociétés qui soient reconnues officiellement et respectées. Et en contrepartie, l'État, et comme vous d'ailleurs, devra trouver son compte. La contribution économique, tout au moins directe, hein, officielle dans les comptes publics, est epsilon par rapport aux flux qui sont traités par le secteur d'activité. Et on ne peut pas continuer comme ça. On doit revenir à une situation normale qui soit celle des entreprises citoyennes, donc qui emploient des Congolais, les déclarent à la CNSS, payent les impôts et gagnent de l'argent, en même temps que l'État aussi doit recevoir la contrepartie raisonnable constituée par les impôts et les différentes taxes. Pour les responsables des sociétés des jeux du hasard, la réglementation permettra de différencier les vrais des faux. Le ministre a raison, il est important aujourd'hui de réguler le secteur. Beaucoup d'opérateurs contribuent déjà majoritairement au paiement de l'impôt. Simplement, ça va permettre de faire le ménage entre les opérateurs qui jouent le jeu et ceux qui ne jouent pas le jeu. L'engagement du gouvernement à réglementer le secteur des jeux du hasard est consigné dans un projet de loi adopté en Conseil des ministres et transmis au Parlement pour examen et adoption.